Le démon personnifié. C'est lui qui gâte les affaires des gens. Faut pas téléphoner à man, boum, t'es pas mieux. Tu n'as rien à faire sans qu'il ne soit au courant. Le démon en personne. Faut t'en gagner. Tu peux être couché. Tu vois un wood. Et voici, tu es frotté par un serpent. Comment tu sais que ce corps qui te frotte là, c'est un corps de serpent. Tu ouvres la boule et tu te retrouves seul dans le lit. La fontariama yinga. Mais parce que tu es sage et intelligent, tu sais qu'il y a un serpent dans le lit. Faut kenam. Tu marches. Tu kenam pour toi. Et quelqu'un marche derrière toi. Faut tu te retournes. Tu ne vois personne. Dès que tu fais un pas encore, tu peux également faire un pas. Le démon en personne. Tu es assis comme dans un fauteuil. Et tu sais, il y a quelqu'un qui est assis avec toi. Ou soit tu es assis et lui il est arrêté au-dessus de toi. Toi-même tu sais que partout où tu vas, il y a un garde du corps avec toi. Il y a quelqu'un qui te surveille. Mais tu ne la vois pas. Le démon en personne. Il s'appelle le démon en personne. Bien souvent, il peut même t'appeler. Tu te retournes, tu ne vois personne. Il peut être en train de parler et tu l'entends. Mais tu ne vois personne. C'est là le démon en personne. Partout où tu es. Et si tu es sur ta moto, tu sens qu'il y a quelqu'un derrière toi. Toi-même, tu sais que tu as pris quelqu'un. Et si tu vas en véhicule, et quand tu rentres, alors tu sens qu'il y a quelqu'un avec toi dans le véhicule. Toi-même, tu sais que dans ce véhicule-là, tu n'es pas seul. Tu sais que dans la maison où tu dors, tu n'es pas seul dans cette maison. Il y a des gens qui sont avec toi dans cette maison. Bien souvent même, tu entends le bruit de leurs pas. Des gens qui marchent, se déplacent dans la cour. Tu ne les vois pas de tes yeux, mais tu sens le bruit des pas. Et parce qu'il ne veut pas que tu travailles, le jour où tu vas pour déposer tes dossiers, il y a quelqu'un également qui t'a suivi pour aller déposer son dossier. Au moment où ils sont en train de faire l'entretien avec toi, il y a une personne qui écoute également. Le jour où cet homme t'a donné rendez-vous pour te rencontrer, parce qu'il te veut un mariage, la première des paroles qu'il aura prononcées, c'est qu'il y a quelqu'un qui était assis avec toi et qui écoutait. Et pourtant ne veut pas que tu te maries. Le démon en personne. Il y a quelqu'un qui t'a suivi jusque dans la salle de composition. Voilà pourquoi tu as échoué du coup. Cela même étant le surprend tes enseignants. Un intelligent comme toi. Et qui va échouer du coup. Le démon en personne. Quand une personne vous fait une promesse,
Pourquoi est-ce que la personne n'accomplit pas sa promesse? C'est que le jour où cette personne faisait la promesse, vous étiez deux à l'écouter, à l'entendre. Vous n'avez pas quelque chose que vous aurez à faire. Et quelqu'un ne sera pas au courant. Dès que vous prenez rendez-vous pour aller à l'ambassade, à votre tour pour que vous déposiez votre dossier, il y a une personne qui a joint sa main pour déposer le dossier. Tous les autres recevront leur visa, mais toi tu ne recevras pas. Le démon en personne, cet esprit, ce démon garde du corps. Ce démon qui te surveille, c'est lui qui amène toujours l'échec pour toi. Jusqu'à ce que tu arrives à ce qui s'éloigne de toi, avant que ta vie ne prenne son chemin. Et cela fait que quand tu es dans l'église, à l'église, tu es en paix, tu es dans la joie. Quand tu es en ville, tu circules, tu as la joie. Mais dès que tu t'approches de ta maison, tu commences à avoir des palpitations, une certaine crainte, parce que tu sais qu'il y a quelqu'un avec toi dans la cour. Quand tu es au dehors, tu peux très bien prier, mais dès que tu rentres dans la cour et que tu veux prier, tu n'y arrives pas, tu es pris immédiatement par le sommeil parce qu'il y a des gens avec vous dans la cour. Et voici, cette personne ne veut même pas entendre parler de la prière. Le démon en personne. Toi-même, tu sais que ce que je dis est vrai. Il y a quelqu'un avec toi toujours. Il y a quelqu'un qui est toujours avec vous. Même bien souvent, quand vous allez sous la douche pour vous laver, vous rincer, vous sentez qu'il y a quelqu'un avec vous dans la douche. Vous ne pouvez pas la toucher, cette personne. Vous ne pouvez pas la voir. Puisqu'il est un esprit. La présence, mais sa présence est effective et manifeste. C'est cet esprit-là qui fait souffrir les hommes. Le démon en personne. Bien souvent, quand vous allez à un endroit de prière et arrivez par exemple à la porte, il reste là-bas. Et vous allez prier et au sorti, alors il remonte derrière vous. Lui-même sait que s'il rentre ici avec vous, il aura des problèmes. Alors il reste en chemin. Et t'attends, quand tu vas finir ta prière à la sortie, vous allez vous suivre. Le démon en personne. Quand vous allez dans la présence de Dieu, il n'y va pas avec vous. Il reste à la porte. Le démon en personne. Et vous êtes assis au salon, vous suivez la télé, vous faites quelque chose, et vous sentez une présence comme une personne qui est rentrée dans la chambre. Et vous vous levez, vous rentrez, vous ne voyez personne. Le démon en personne. Parfois, quelqu'un peut vous appeler au téléphone. Quand on vous a vu à la Padoie, et vous vous dites, non, je suis assis à la maison. C'est lui qui a pris ton apparence et s'est manifesté là-bas. Démon en personne. Une personne qui est chez elle. Et on appelle depuis ta Sasko qu'elle est liée. Il peut apparaître pour quelques minutes et disparaître ensuite. On te voit à différents endroits comme ça et pourtant tu es à la maison. Ce démon-là a provoqué bien des dégâts et des destructions dans la maison. Et cet esprit-là a toutes les informations sur toi. En ce jour-ci,
Tu seras délivré de ces démons en personne. Bien souvent, il a été envoyé par des gens. Bien souvent, il est venu en mission. Environ 2 mois, 3 mois, 1 année. Depuis 3 heures du matin que je me suis levé, Dieu dit aujourd'hui, je vais délivrer mon peuple des démons personnifiés. Si vous prenez 100 personnes, il suit environ 85 ans. Des démons en personne. Là, c'est mon œuvre, mon ministère depuis 26 ans. Cet esprit-là n'a rien à faire sans que je le détecte. Le démon personnifié. Bien souvent, c'est quelqu'un qui est au courant de tes affaires, ce sont les ennemis, les singes. Dis à ton voisin, ce n'est pas un homme. Faut pas être un gomme. Et ta façon d'être là, tu ne parles pas. N'est pas papa. Personne ne peut rentrer en toi pour savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Et bien que tu ne dises rien, tu te rends compte qu'il y a une personne qui est au courant de tout ce que tu veux faire. C'est un esprit. Et il s'appelle le démon en personne. Mais tu seras délivré aujourd'hui. Tu seras libéré de ce démon qui te suit toujours. Tous ceux-là qui me suivent en ce moment, partout où tu es, pendant la prière, tu seras délivré de cet esprit au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout et rendez grâce à Dieu pour ce message. C'est un esprit orgueilleux. Un esprit hautain. Pour le chasser, c'est facile. Je vais vous montrer comment faire pour qu'il sorte, qu'il s'en aille rapidement loin de vous. Nous allons le provoquer, il va se mettre en colère. Avant de lui ordonner, de le commander de partir. Ne demande à personne. Et s'il est avec une personne, à 90%, il a été envoyé. Salomon dit de faire attention à ce que tu dis dans ta chambre et sur ton lit à coucher, car l'oiseau de mauvaise augure, la chambre, il est pour le rapporter. Est-ce que tu as déjà vu un oiseau qui rapporte les paroles? C'est de cet esprit-là que Salomon parlait. Et vous allez parler et il va rapporter vos paroles à quelqu'un d'autre. Plus il a arrêté, vous parlez. L'Éternel Dieu vous délivrera. Parlez. Dites. Seigneur Jésus. Nom de Christ Jésus. Le feu de Dieu va tomber sur le démon. Il veut n'être appelé avec toi. Le cri est sorti. Il y a du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est mon jour de salut. Je ne sais pas. Démon en personne. On va commencer à se manifester maintenant. Il y en a même qui vont attacher avec des pagnes. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a. Demain en personne. M'amener pour Charouna. Ça n'est fini entre toi et moi. Il y en a une seconde fois. Répète une seconde fois. Il y en a une seconde fois. Une troisième fois. Sois quand je suis hier. Demande-lui d'où viens-tu. Un tombeau. Qui t'a envoyé? For you, quel est ton nom?
Tu vas faire souffrir pendant des années. Je n'indique rien. Vraiment personne. Pour combien de temps tu vas sortir? Nom de Christ Jésus. Arka, Arka. Voici déjà ici. Ibeye. Où êtes-vous? Arka. Tiens le bain. Je n'indique rien. Demande personne. Parce que je ne peux pas. Personne commence à prier. Je n'indique rien. Demande personne. Yamia. Pleurez. Tinaïme. Quand vous allez sortir. Yamia. Vous viendrez-vous? Non, je n'indique rien. Demande personne. Yamé. Pleurez. Yamé l'autre. Soulevez. Chatatat. Tenez. Je n'indique rien. Demande personne. Allez, Yamé. Allez, Yamé. Combat. Yamé. Allez, Yamé. Combat. Tiens le bain. Soulevez. Yamé. Soulevez. Yamé. Yamé. Soulevez. Yamé. Yamé. Soulevez. Yamé. 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 Jindikinga, demande personne, le fais là, libère là, libère là, la loi, le matin, jindikinga, demande personne, j'ai nous levez la demain, tiens, jindikinga, demande personne, crie, tu vas sortir, fire, feu, quel est ton nom, nyabe, pleure, jindikinga, demande personne, le fais là, nyabe, pleure. Nom de Jésus, qu'est-ce que ma personne? Prenez-le, tu vas sortir aujourd'hui. C'est le feu qui est là. Le fait, le plaisir. Chique de pour moi. Le fait, c'est le feu. Jindikinga. Qu'est-ce que ma personne? Hey, hey, hey.
Tatao, à l'instant même, quand t'es casse le feu. Il n'y a pas de place. Y'a pas pleure et sort. Pour rien, ouvre-lui les mains. Qu'est-ce que lui est sort maintenant. Je suis un pur. Libère ses femmes, prenez son enfant. Faut dire que Yinga. C'est appris quoi. Tu lui parles toujours. Amène la devant. Demain sort. Tu vas partir. Il prenez son enfant. Détachez les enfants, détachez les enfants. Nom de qui Jésus. Quel est ton nom? D'où viens-tu? Vous entrez en elle. Prenez son enfant. Prenez son enfant. Venez. D'où viens-tu? De moi. Je m'adresse à toi. Tu vas sortir aujourd'hui. Crie. Pleure. Crie et sort, c'est le feu. Crie, casse le feu. Tu vas sortir. Amène-la devant. Peter. Libère cette femme et son enfant. Prenez son enfant. Saint Peter. Viens en elle et son enfant. J'envoie le feu sur le Peter. Posez l'enfant là-bas. Déposez le camarade. Et priez pour lui là-bas. Je vous ai prévenu. Nom de Jésus. Maîtrisez-la. Maîtrisez-la. Je vous ai dit, ça va chauffer. Je vous ai prévenu. Nous prévenons les choses. Feu. Crie. Elle a trois démons en elle. À elle seule, elle a trois démons. Fire! Feu! Quel est ton nom? Fire! Feu! Amène-la là devant. Prenez son enfant. Demande-libère-la. Elle est enfant de Dieu. Crie! Amène-la devant, c'est un serpent. Tu vas sortir aujourd'hui. Tu vas sortir. Prenez son enfant. Oui. La même chose, moi, mais...